Hey, salut à tous les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Mega Man X. Alors, j'ai eu quelques retours qui voulaient un deuxième épisode, et donc que ça devienne une série. Et donc, ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais faire. Et donc, tout de suite, ça va être une série. Alors, je tiens évidemment à préciser que ce jeu, c'est comme tous les Mega Man. Il y aura forcément une... Oula. J'ai activé un truc sans faire exprès. Oui, parce que j'ai les boutons pour mettre les turbos, mais ça j'en ai pas vraiment besoin. Ce jeu est construit comme un Megaman et que donc les boss sont faibles, ont des faiblesses par rapport aux attaques d'autres boss. Je sais, j'arrête pas de jouer avec le son là, mais ouais. Et donc, par contre, le niveau par lequel je commence chaque fois, c'est celui de Chill Penguin. Pourquoi ? Voilà, j'avais envie de laisser ce petit passage musical. En fait, pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de très très utile dans ce niveau qui est extrêmement utile pour la suite et que donc je veux absolument avoir. Parce que c'est beaucoup plus simple une fois qu'on l'a. Ah, mais... Laissez-moi passer ! J'ai déjà presque plus de vie. Donnez-moi de la vie ! LOL. D'essayer dès la première seconde. C'est aussi pour ça que je veux absolument cet objet. Enfin, c'est pas vraiment un objet, mais c'est une amélioration d'armure dont j'ai absolument besoin. Alors là, il faut pas que je me fasse arrêter par n'importe qui. Voilà, c'est bon. Il est mort. Voilà. J'ai reçu un message par la même occasion. Là. Hop. Voilà. Si j'arrive à me débarrasser des ennemis, j'aurais besoin peut-être d'une petite régène, mais bon, pour l'instant ça passe. Alors toi, tu vas... Ah bah voilà, il y en avait une qui... Il en a looté une derrière le mur. Ah. Et c'est, ouais, j'en ai franchement... C'est pour ça que j'en ai hyper besoin à chaque fois de cette amélioration. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Ah bah une vie. C'est parfait. C'est un truc dont j'avais absolument besoin. Hop. Parce que pour l'instant le gameplay est très très lent, mais une fois qu'on aura cette amélioration, ça sera tout de suite beaucoup plus rapide dans tous les sens du terme. Ce sera vraiment rapide, mais juste... Voilà. Ok. Le truc se suicide sur moi en fait. Ah mais pourquoi j'ai sauté quoi ? Hop. Hop, j'ai bien alterné le mur. Voilà, une capsule. Bonjour X. Ceci est une conversation enregistrée, donc tu ne pourras pas me répondre. De toute façon, je parle trop vite, pour que tu puisses en placer une. Entre dans cette capsule pour obtenir une amélioration de vitesse. Avec ça, tu pourras enfin courir et donc aller plus vite qu'en marchant. Ouais, je sais, j'ai oublié de te programmer un truc qui permet de courir, mais bon, c'est pas grave. Allez, salut, bisous. Et voilà, donc après cette magnifique explication, on saute dans la capsule et on obtient... des nouvelles bottes. Pour l'instant c'est juste l'aspect esthétique, mais voilà, ça le dash, ça c'est putain de pratique d'en avoir un. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Là, par contre, ce que j'ai juste fait, waouh, la capsule elle a disparu dès qu'elle est sortie de l'écran. Alors là, par contre, juste régler les touches, parce que avoir le bouton A pour dasher, c'est pas pratique du tout. Voilà, là c'est mieux. Alors, avec le bouton L. Oh non, pas vous. Là. Oh, oh, oh. Non, pourquoi il l'a mis dans le mur ? Sérieusement. Voilà, donc en tout cas, ça c'est beaucoup plus pratique parce que maintenant on peut se déplacer super vite. Et justement, on peut changer de direction très rapidement dans les airs. Qui n'est absolument pas pour me déplaire. Ah, autre élément de Mega Man X. Les superbes putains de statues. Pouf, je défonce tout. Bon, les statues, enfin, pas les... les grosses armures ont leur propre nombre de PV. Hein. Bam. Alors là,
pourquoi je fais ça là, parce que j'ai besoin d'un... Ah ouais, sauf que je peux pas y aller directement. Parce qu'il y a beaucoup d'objets cachés dans Mega Man X, donc qu'il faut aller ramasser. Donc pour l'instant, je ne peux pas aller les ramasser. Je les ramasserai justement lorsque j'aurai les bons équipements. Parce que oui, comme j'ai dit, ce jeu, je le connais quand même un peu. J'y ai déjà joué. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça aussi lentement. Oh. Bon, j'ai pas énormément de vie. Et bien c'est parti, on fonce vers le boss. Le petit couloir qui est avant chaque boss, c'est tout le temps pareil. J'aime bien dasher parce qu'à chaque fois il est en pente comme ça. Enfin il est penché. Allez c'est parti. Il est pas très difficile chez le Penguin parce qu'il a un pattern assez rapide. Assez simple à comprendre. Pardon, là je suis assez mal. Il y a des chances que je décède à cet endroit-là. Là je fais un peu n'importe quoi sur le mur. Si j'arrive à survivre, j'espère que je vais réussir. Allez s'il te plaît, fais autre chose là. Arrête de cracher. Ouais, fais autre chose. Voilà. C'était prévisible. C'est prévisible, j'avais presque plus de vie. Là, on respawn, on a toute notre vie. On charge le tir bien fort. Et on fonce. C'était la mise en chauffe. Les patterns de Chill Penguin sont très simples à éviter. Il faut juste pas se faire toucher bêtement. What? Il était invincible à ce moment-là? Là, normalement, quand il commence à faire ça, ça fait quelques coups gratuits. Ah. Ah, là je parle très peu, je me concentre. Hop là, vas-y. Hop. Vas-y, tu peux plus rien faire. Boum. DTC. Et voilà. Évidemment, on gagne une arme, comme à la fin de chaque niveau de Mega Man. Et donc, bah, X, il suit la même formule. Et oui, c'est la fin de cet épisode. On a été avec Chill Penguin, et dans le prochain épisode, on en fera un autre. Et je ne dis pas qui. Et oui, je garde le suspense. Mais si vous connaissez Mega Man X, évidemment, vous savez quel boss est sensible à l'arme que je viens d'obtenir, qui est le Shotgun Ice, qui sera le regagnant de la mort. Voilà, qui va gagner le droit de décéder. Et donc, bah, j'espère que tu auras aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire, même tout ce que tu veux. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao !